invité de cette semaine a été chef recherchiste pour l'émission Vlog à TVA. Il a réalisé les fameuses revues de l'année pour Google et Facebook et il est à la tête de la série Best of Web qui attire des millions de visionnements. J'ai le plaisir de recevoir Luc Bergeron. D'avoir accepté l'invitation à l'émission sur le web. Bref, tu es ici là aujourd'hui parce que je voulais que tu sois là, mais surtout parce que tu as réalisé plein de choses sur le web. Donc, tu étais l'exemple parfait qu'on peut réaliser des choses sur différentes plateformes parce que tu es à tes heures comédien, tu es à tes heures un certain chanteur de karaoké, mais aussi tu passes des heures interminables à faire des montages. Donc, je veux que tu m'expliques parce que quand je t'ai connue, tu n'étais pas vraiment dans le milieu de la télé, du cinéma, du montage. Oui, j'étais ici. Tu étais ici, oui. Je le sais, je voulais le garder pour la fin, là, pour faire un punch avec ça. Tu as commencé ici, fait que je vais recommencer. Tu as commencé ici. Je t'ai donné ta chance, disons-le. Donnons-moi du mérite. Et par la suite, bon, tu es allé à Vlog, etc. Et tu as eu plein de belles opportunités. Donc, au départ, dis-moi, là, c'est venu où cette passion-là pour toi? Parce que c'est au départ une passion, disons-le. C'est pas la formation, c'est pas l'éducation, t'as pas été suivre les cours, t'as développé tout ça par passion et intérêt. Donc, ça a commencé où? Je te dirais que j'avais 7 ans. Okay. Et je jouais aux petites autos. Ah oui? Oui. j'ai aucune idée pourquoi, mais quand je jouais aux autos, oui? Je me filmais, non, je me filmais pas, mais je regardais les autos, mais je fermais un de mes yeux pour faire semblant que c'est une caméra. Ça commence à mal. Puis là, je fais mes petites autos, puis j'étais comme ça, j'avais l'œil fermé. Puis après ça, peut-être un peu plus tard, mon oncle a acheté un genre de projecteur en couleur de dessin animé, mais que c'est moi qui faisais la vitesse. Fait que là, tu avais le dessin animé qui au mur qui était là, puis je faisais la vitesse, je peux reculer. Okay. Je sais pas pourquoi, ça m'a comme passionné. Après ça, il y a eu ma tante qui avait une caméra en noir et blanc. Puis là, je m'en suis encore plus intéressé. Puis le déclic, c'est vraiment, je te dirais, l'adolescence, quand mon père il a acheté une caméra 8 mm. Fait que ça me vieillit un petit peu. Là. Non, puis je fais des films, des films surtout avec mes chats. Genre, je prends la caméra, je faisais seulement que j'étais le chat. Je mettais de la musique. Je sais pas, j'ai tout le temps une passion là-dessus. Puis t'avais à ce moment-là, tu avais débuté le montage, là. Pas encore, non. J'ai commencé le montage, c'est ça. Okay. Avec le chat. Mon premier montage, c'était ça. Mais dans ce temps-là, c'était en VHS. Et puis ça marche tellement des vidéos de chats maintenant. Oui, mais dans ce temps-là. T'es un petit peu trop d'avance. Oui. Excusez, il y avait une mouche. On est invité. On essaie de la tuer depuis tantôt, on n'est pas capable. Et ceux qui protègent les mouches, excusez-nous, on voulait en fait l'attraper, la mettre dans un bocal et la sortir à l'extérieur. Il faut faire attention aujourd'hui à tout ce qu'on dit. Je ne prends pas de chance. Donc là, Luc, de là, à partir des chats, quelle belle histoire. C'est assez beau, vraiment. Merci. Donc, les chats t'ont amené une passion pour la vidéo, la réalisation, le montage et tout ça. Puis, c'est quand que là, tu as décidé que toi, tu débarquais sur le web? Tu as démarré avec quoi? Bien, avant ça, j'ai eu les chats. Les montages, j'ai commencé au secondaire. OK. Puis même dans ce temps-là, j'avais comme une amie qui était en France, puis je faisais une vidéo. Puis ça n'existait pas dans ce temps-là, les webcams. Oui. Puis je faisais semblant que j'étais chez moi, puis qu'elle était chez eux, puis je faisais comme une entrevue. C'était un peu comme le début du web. OK. Bien, c'est le début du web, mais dans ce temps-là, il n'y avait pas de vidéo sur le web. Mm-hmm. Là, j'ai fait une vidéo comme ça, puis après ça, j'ai fait des vidéos sur. Je faisais de l'haltérophilie, fait que je faisais des montages d'haltérophilie. OK. Puis après ça, bien, j'ai travaillé dans un domaine carrément différent. Je faisais des matelas, qui
n'était pas mon domaine, oui. Pantoute. Bien, c'est moi qui est allée sauver des matelas. Ouais, oui, c'est ça, exactement. Tu me voilà. Mais j'ai droppé de salaire, évidemment, parce que c'est une télé communautaire. Ben, t'avais un choix à faire, hein? Mais je voulais faire ma passion. Oui. Fait que voilà, là, je suis arrivée ici. De là, quand on dit que c'est important. Puis ici, ben, j'ai fait la réalisation. Oui. Ce que j'aimais le plus, c'était de trouver des concepts d'émission. Mm-hmm. Après ça, le montage, la mise en onde, puis caméraman. Mm-hmm. Puis j'ai fait 3 ans ici. Quand puis même. Pour le web, comme oui. tu dis, ça a commencé. Le web, ça a commencé ici, je pense, oui, parce que ça a commencé quand j'ai fait Bande musicale. Bande musicale. J'ai commencé ici, Bande musicale, oui. C'était quoi exactement, Bande musicale? C'est dans le fond que ça avait commencé au secondaire, ça aussi. Mm-hmm. Au secondaire, c'est que je prenais un tourne-disque, puis je parlais au tourne-disque, puis il me répondait en chanson. OK. L'idée était venue de là, puis j'avais fait un show étudiant, mm-hmm. puis j'avais fait ça. Puis après ça, en vidéo, ce que j'ai fait, c'est que je prenais des bouts de chansons. Fait qu'il y avait un bout de chanson qui répondait à l'autre bout. Puis là, je me filmais. Puis au début, en plus, j'étais toute seule, parce qu'il n'y avait personne qui voulait embarquer dans mes folies. Fait que, il y avait moi. Puis là, je coupais l'image en deux qui ne paraissait pas. Puis là, je me répondais. Fait que je m'habillais en fille quand je faisais la fille, en gars. Oui. Puis j'ai fait. De là, quand je parlais de tes talents de comédien, un peu aussi. Bon. Mais j'en mettais trop un peu aussi, là. Mais je me créais dans ce temps-là. Mais pas me créais, mais je n'ai jamais pensé pour un autre. Mais, non, mais tu avais du plaisir. Tu t'amusais. En fait, tu t'amusais, c'est ça. Hmm? Puis de là. Tu es allé vers autre chose, mais je veux qu'on reste un petit peu quand même dans cette idée-là, parce que tu es quelqu'un de patient au niveau du montage. Donc, ça paraît peut-être pas, les gens le savent peut-être pas, mais de trouver les bons bouts, de les coller, de les mettre, que ça fit, permettez-moi l'expression, c'est du travail. Donc, pourquoi tu t'es décidé de te diriger vers quelque chose de compliqué qui demande autant de temps? Parce que tu es patient au niveau du montage? Tu aimes aller fouiller? C'est la passion de... J'aime faire vivre les émotions en image. En vraie vie, c'est que tu fais quelque chose, puis c'est parti. Tu dis, c'est quoi j'ai fait? Donc, mais en image, ça reste. Mm-hmm. C'est peut-être pour ça. Puis j'ai tout le temps trippé là-dessus, de faire des montages. C'est long, ça dépend des montages. Il y a des montages qui me prennent 100 heures, il y en a qui me prennent 2 heures. Mais je sais que chaque... Tu sais, les gens ne réalisent pas, mais quand tu regardes un vidéo, chaque... seconde est important. Mm-hmm. Tu peux pas dire, mettons, je mets un 10 secondes par rapport, pour ça, je remettrai un bon punch. Chaque seconde est importante dans une vidéo, moi, je trouve, en tout cas. Mm-hmm. Fait que c'est pour ça que des fois, je prends mon temps. Moi, si y a une scène d'une minute, bien, dans la minute, je vais aller mettre tous les sons à telle place, pour que finalement, il y ait une émotion ou quelque chose. T'sais. Mais tu dois consommer beaucoup de choses sur le web pour... Parce que tes idées viennent de quelque chose que tu as vu, de quelque chose que tu as entendu. Il faut quand même un bon bagage de base. Tu passes combien de temps à regarder des choses pour te dire, « Ah, tiens, ça, je pourrais le prendre, le mettre dans ça » ou trouver tes idées. Toi, tu parles des best-of web? Oui, c'est ça. On s'entend qu'il faut que tu en connaisses des artistes, il faut que tu en aies vu des vidéos pour aller chercher tous ces petits extraits-là pour faire ton montage final. Donc, bien là, j'ai les best-of web, ça a commencé à cause de vlogs. Mm-hmm. Parce qu'à vlog, j'écoutais... Ma job, c'était recherchiste. Oui. Fait que j'écoutais pendant 40 heures semaine. C'était comme une job de rêve. Là. J'ai regardé des vidéos sur le web. C'est ça. OK. Donc, puis, ton travail des vidéos... consistait en ça à la base. Donc, de là, tu puisais ton inspiration pour réaliser tes différentes vidéos. C'est ça. Mm-hmm. Puis moi, j'ai tout le temps... Comme je disais tantôt, chaque seconde est importante, mais chaque image aussi est importante. Fait que ma force, c'était de prendre une image... puis de faire suivre l'autre image. Donc, si quelqu'un sautait en parachute puis qu'il tombait comme ça, bien, l'autre extrait, ça pouvait être un gars qui plongeait, mettons, dans la piscine puis qui continuait l'image. Puis comme dans mon premier Best of Web que j'ai sorti en 2012, mm-hmm. le concept, c'était ça. Toutes les images se suivaient. Ou si, mettons, j'allais chercher soit les couleurs qui suivaient ou si quelqu'un tournait, bien, mettons, tu voyais, mettons, une toupie après qui tourne, tout se suivait. Puis, ma force, c'est vraiment la musique que je passe. Souvent, le monde va faire un montage vidéo, après, mettre la musique, mais moi, je prends la musique. Puis, de la musique, je crée une vidéo. Fait que, au fond, j'écoute plein de tunes. Okay. Puis, maintenant, une tune fait « Ah! » Ça serait bon. Là, je prends la tune, puis m'a découpé la tune en 300 morceaux. Puis, chaque morceau m'a allé chercher une image qui fit. Des fois, je peux m'amuser. Tu sais, quand je faisais du montage au début, là, quand j'étais à l'adolescence, bien, je pouvais pas aller prendre une image puis la remettre là, parce que c'était en VHS. Donc, c'était... Je pense que c'est linéaire comme ça, c'est une après l'autre. Tu ne peux pas les remettre un bout. Mm-hmm. Tandis qu'aujourd'hui, tu peux prendre un bout et les remettre, tout changer. Fait que des fois, mettons, je fais Best of Web, bien, je vais prendre un morceau, je vais le mettre là. Puis là, à la fin, sur le web, je découvre une autre vidéo qui est encore meilleure. Bien, je peux le prendre et le rechanger. C'est ça.
Wow! OK. Fait que c'est toi, quand tu regardes quelque chose, tu retiens tout, puis ça travaille fort dans ta tête, là. Est-ce que je vois, là? Tu retiens tout, puis... J'aime la création, en fait. Oui, exactement. Mais est-ce que tu prends plaisir à regarder des choses, des fois, puis juste à décrocher, puis pas dire, « Ah, je vais le mettre dans tel truc », ça t'arrive? Ou c'est toujours là? Qu'est-ce que tu dis, c'est toujours là? Dans ta tête, tu vois toujours une possibilité de réaliser une vidéo avec telle chose, telle image. Bien, pour PST Web, oui. Mais je pourrais dire qu'aujourd'hui, je suis rendu à un stade que j'aimerais faire mes propres vidéos. Oui. Parce que, tu sais, j'ai tout le temps une page. Depuis que je suis petit, comme je te disais au début, c'est à partir des réalisations des j'aime autres, filmer en fait. Aussi, tu sais. Mm-hmm. Puis là, depuis que je suis dans le fond, que je suis allé à Vlog, puis que j'ai fait les PST Web qui ont super bien marché sur le web, bien, j'ai tout le temps pris des vidéos, d'autres vidéos. Puis avec ces vidéos-là, je crée mes montages. Oui, c'est mes montages. Dans le fond, c'est un peu comme on pourrait me comparer à un DJ, mais un VJ, dans le fond, là. Un DJ de vidéos. Fait que je prends toutes des vidéos qui existent, les meilleures, bien, selon moi, les meilleures du web, puis je fais un montage qui est différent, sauf que ce n'est pas mes images. Fait que même si j'ai, je sais pas, je suis rendu peut-être à, comme Best of Web, 50 millions de vues, mais j'ai fait peut-être 3 piastres là-dessus, là. Bien, parce que je n'ai pas les droits d'auteur. C'était une de mes questions. Tout le travail et l'énergie que tu mets là-dedans, ça ne te rapporte pas finalement. C'est encore là le désir de c'est une passion. Je suis content parce que c'est l'expérience pareil. C'est du visionnement, c'est de la visibilité. Chaque montage que je fais, ça me donne l'expérience. Mm-hmm. Mais toi, tu ne gagnes pas ta vie de ça. Non, mais malgré à cause, tout le temps que à cause des Best of Web, ça m'a amené à avoir les contrats pour Google, exactement. Tout ça. T'sais. On va se diriger. C'est le Best of Web 1 qui a déclenché que... Il y a une firme aux États-Unis qui m'a remarqué puis qui m'a engagé pour faire les contrats pour YouTube et tout. Puis le premier consistait en quoi? On va voir des extraits, mais... Le premier, c'était le Zygest, ils appellent plus ça comme ça aujourd'hui. Dans le fond, c'est la revue de l'année de Google. Mm-hmm. Dans le fond, durant l'année, eux autres, il y avait, mettons, dans ce temps-là, en 2012, il y avait eu qui avait sauté d'une navette dans l'espace. Oui. Il y avait eu, en tout cas, il y avait plein d'affaires. Puis, il y a les événements de l'année, il y avait Barack Obama dans ce temps-là. Tout ce qui s'est passé dans l'année, puis qui a été le plus googlé, dans le fond, sur Google. Eux autres, ils en font comme des pages écrites, mais ils font aussi une vidéo à chaque année. Une vidéo. Puis, la compagnie aux États-Unis avait vu mon montage Best of Web, puis ils voulaient que dans cette vidéo-là, qu'il y ait un genre de montage comme ça, avec justement ce que je fais, là, de pogner toutes des bouts qui sont différents, mais qui se suivent. Mm-hmm. Fait que là, ils m'avaient demandé de faire la finale de cette vidéo-là. Mais finalement, j'ai comme tout fait la vidéo. Mais je faisais pas juste ça aussi, je cherchais, puisque eux autres, d'après eux autres, il y avait mettons, une liste de ce qui s'était passé dans l'année. Oui, parce qu'ils doivent mais, parce que avoir le monde, c'est des gros, données, là, non? Dans toute l'année, ouais. Sur Google, la planète au complet, il s'en passe des choses. Donc là, moi, je passais peut-être 2-3 semaines à chercher. Mais tu pars de où dans tes recherches pour... Alors, je sais pas, je m'amuse, je cherche, je vais chercher mon clé, je vais... Mais il fallait que je trouve aussi ce qui avait marqué. Google, c'était moins pire parce que... Il y avait quand même des mots-clés ou des choses qui se sont surpensées dans l'année. Mm-hmm. Fait qu'exemple, Barack Obama, on savait qu'il avait été élu cette année-là. Bon, fait que j'allais voir les vidéos, mais c'est pas évident non plus. Barack Obama, il y a peut-être, 400 vidéos. Il fallait que je trouve le 2 secondes dans toutes ces vidéos-là qui représentaient l'année. Wow. C'est sûr qu'il y a eu bien des correctifs après, là. Peut-être une dizaine de correctifs qui disent, remets ça, change ça. OK. Puis on était, je pense, 4 sur cette équipe-là. Moi, je faisais la recherche, le montage, puis tu en avais une personne qui faisait aussi un genre de montage photo dans si vous voyez la vidéo, là. Il y a comme des photos qui reculent, qui avancent, puis en arrière, ça bouge. Ça, c'était un graphiste spécial qui faisait ça, là. OK. Puis, c'est ça. À ce niveau-là. Donc, ça a vraiment été tes visionnements t'ont amené ce beau contrat-là. Et ton expérience à Vlog, ça t'a apporté quoi quand tu réfléchis à ça aujourd'hui puis que tu regardes ça un peu? Ça t'a apporté quoi au niveau de ta carrière? Bien, ça m'a permis de découvrir ce qui se passe sur le web, dans le fond. Mm-hmm. C'est de là que c'est parti un peu, hein? Pour savoir tout, en voyant des vidéos tous les jours puis qu'est-ce qui marche. Puis il y en a qui ont marché vraiment beaucoup. En fait, ils ont pas mal toutes marché, mais il y en a d'autres qui t'ont permis d'aller faire, entre autres, des entrevues à l'émission Salut, bonjour et tout ça, parce qu'elles avaient eu un gros impact sur le web. Donc, je pense, entre autres, à celle de Lara Fabian. Quelle autre qui t'ont amené à donner des entrevues parce que l'impact avait été fort au point là, qu'on voulait salut, te bonjour, rencontrer puis en plus... jaser. Salut, bonjour, c'était vraiment les Best of Web au début. C'est premier, les Best of. Je pense, le premier, le troisième. Bien, il en parlait toutes les années. OK. Salut, bonjour, mais j'ai été invité, je pense, 2 ou 3 fois pour en parler.
Sauf que vu que je ne suis pas vraiment à l'aise devant une caméra, ben il aimait mieux m'en parler aux autres même puis le faire. Et ne pas t'avoir. Puis comme celui de cette année que j'ai fait il y a une couple de mois, c'est Lara Fabien qui parce qu'il y a 4 millions sur Facebook. Là. Au fond, le concept, ça existait. Bien, c'est dans le fond... Pourquoi Lara? Pourquoi avoir eu cette idée? Non, parce que quand j'allais sur le web... Comme Lara était toujours là. Non, mais elle est passée sur le web, puis j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup, il y avait comme un genre de vague que les gens se filmaient en regardant une vidéo, un artiste qui chantait. Oui. Exemple, tu écoutes justement Lara, puis là, tu écoutes chanter, puis là, tu filmes ta réaction. Okay. Fait que je trouvais le concept comme poche, parce que comme tu regardes quelqu'un tout le long qui regarde une vidéo. Sauf qu'à un moment donné, j'ai remarqué, quand j'ai vu ça, j'ai dit, je vais me faire un peu de recherche. Puis là, j'ai marqué première réaction en anglais de chanson. Puis là, j'ai remarqué que Lara revenait tout le temps. C'est pour ça qu'elle revient. Pourtant, c'est une Québécoise. Mais c'était toutes des gens anglophones. Fait que là, j'ai recommencé à faire la liste. Puis là, j'ai vu qu'il y en avait peut-être 3, 4, 5, 600 personnes qui écoutaient la chanson « Je suis malade », qu'elle a faite dans les années, je te dirais, 90. Fait que là, j'ai dit, on m'a essayé quelque chose. Fait que là, j'en ai downloadé genre une centaine. Tous ceux qui étaient bien filmés, entre parenthèses, parce que des fois, le monde filme tout croche. Puis avec ça, dans le fond, j'ai décidé de prendre... Ça, c'était long aussi, parce que j'ai décidé de prendre toutes les vidéos puis prendre les meilleurs extraits. Mais il fallait que je synchronise avec la vidéo. Je voulais pas que tu aies une réaction de quelqu'un qui fasse « Ah! » Puis que c'était pas sur le bon bout. Puis souvent, les gens, quand ils se filmaient, t'avais la personne. Puis à côté, ils mettaient l'image de Lara. Fait que c'est pour ça que dans le montage, des fois, tu vois une image de Lara aussi. Mais je suis tout le temps vraiment, c'est ce qui était long, c'est d'aller mettre synchroniser pour que tu aies vraiment la vraie réaction au moment où elle chante tel bout. Wow! Puis les réactions ça, du monde, cette chanson-là était fou, tout le monde capotait. Mais il capote encore. Oui. Fait que j'ai décidé de faire une vidéo juste pour le fun. J'ai mis ça sur Facebook, puis je pense qu'en 24 heures, il y a eu 100 000 vues. T'sais. Wow! Mais au Québec, c'est ça qui est bon, parce qu'au Québec, quand tu fais quelque chose en français, si c'est bon, bien souvent ça va marcher. On consomme plus, tu penses? Au Québec, tu veux dire que les gens vont consommer rapidement, partager rapidement les vidéos? Bien, pas qu'ailleurs, mais il faut aussi dire que ma force, c'est quand tu fais une vidéo, il faut que tu y ailles avec ce qui se passe. T'sais. Oui. Là, c'était... Elle était à La Voix ou Lara à cette époque-là? Oui, c'était-tu La Voix? Non, c'était Star Academy l'année passée. OK. Fait que c'était la nouvelle trame de Star Academy. Okay. Elle était là, puis c'était comme vers la fin de tout ça, fait que tout le monde parlait de Lara. Puis là, j'ai vu ça, que j'ai comme profité, fait que ça a comme été... Puis en plus, quand Gino en a parlé, c'est comme sa grande amie à lui. Ah. Fait que ça l'a aidé aussi. Okay. Mais je ne sais pas si elle l'a vu, mais le monde y espérait qu'elle regarde la vidéo des réactions du monde puis ben qu'elle ait sa réaction. Exactement. Elle l'a pas fait. Donc, c'est pas arrivé, malheureusement. On attend toujours la réaction de Lara. On ne sait jamais. Peut-être que cette entrevue va propulser cet événement-là, Luc. On ne le sait pas. On ne le sait pas. Regarde tout ce qui était arrivé en si peu de temps à ton travail. Je voulais aussi le faire avec Ginette Renault. Oui. La fameuse vidéo. Oui. Parce que, tu sais, au Québec, des vidéos de cet impact, il n'y en a pas beaucoup. Il y avait celle-là, mais c'était même peut-être filmé en France, je pense. Mais celle de Ginette avec Céline aux plaines d'Abraham. Tu couperas ça, là? C'est où, là? Au plein... Au quoi? Au plein d'agréable. C'est quoi, là? Bien, c'est... Tu parles à Québec? Oui. C'est ça. C'est ça. Exactement. Bien, écoute. Aie confiance en toi, ton éducation est bonne, Luc, c'est bien les plaines d'Abraham. Même pas ça. On va laisser ça dans le montage. Nous, on coupe au plaines d'Abraham. Oui? Cette vidéo-là, les deux performances sont incroyables. Sauf que j'ai regardé, puis il y a peut-être les une gens dizaine. S'étaient pas assez filmés de leur réaction. Il y a peut-être une dizaine, fait que je l'ai pas. Okay. J'avais eu l'idée de prendre une chanson qui était incroyable au Québec, puis le mettre, mettons, sur mon YouTube, puis demander aux gens qu'ils fassent une réaction. Oui. Ça, j'y ai pensé, mais j'ai comme pas encore... C'est en processus. On lance l'idée, si jamais ça vous intéresse. Voilà, l'idée est lancée. En plus, ça vous permet d'être dans une des vidéos du grand Luc Bergeron, des vidéos qui sont vues par des milliers de personnes. Donc, je l'ai assez bien vendu, hein? Un peu trop. Et là, on a jasé un petit peu ensemble de ce qu'on allait dire à l'émission. Question que ça se tienne debout, parce que des fois, on dit un peu n'importe quoi, nous deux. Mais je voulais savoir, dans tout ce que tu as réalisé, la vidéo dont tu étais le plus fière, et c'est cute parce que tu as choisi celle avec ta fille. Oui. Oui. Ma fille qui a déjà participé à une émission ici il y a longtemps, en 2008. Puis, dans le fond, c'est le même processus que bande musicale que je faisais au début.
Puis je pense que j'ai tourné cette vidéo-là, j'étais ici, je pense, en plus. Tu peux-tu? Oui. Avez-vous choisi ça ensemble? Avez-vous eu l'idée ensemble ou tu l'as forcé à embarquer ta vidéo? Non, elle aimait ça. Elle a toujours pensé qu'elle était chanteuse. Ah! Écoute, le rêve. Elle a peut-être pas le talent, mais elle est bonne pour les mimiques, vraiment. Bien, quand elle était petite comme ça, elle l'a encore aussi, mais quand elle était petite, les mimiques, ça fitait vraiment. Là. Puis dans le fond, j'ai fait la même chose que mes bandes musicales, les vidéos que je faisais avec des bouts de chansons. Mm-hmm. Mais là, l'idée, c'était d'être dans mon auto. Oui. Puis qu'elle a comme un nouveau copain, puis elle avait son cellulaire, puis j'essayais de... que j'étais un petit peu jaloux de son histoire. Là. Mm-hmm. Ça, je suis fier du sens, parce que c'est une belle complicité. Puis on a pratiqué ça pendant comme une semaine. Tous les jours, on répétait. Wow. Okay. Puis même dans l'auto, je pense qu'on l'a fait 15 fois avant d'être sûr. Que c'était la bonne. Mais ce qui était dur, c'est que moi, je conduisais, elle était à côté, puis elle répondait. Mm-hmm. Puis c'est comme du lip-sync live. Il fallait que la bouche, elle arrive. Mais moi, je voyais pas ce qu'elle faisait, fait que j'étais jamais sûr si c'était correct. Oui. Fait que genre, à toutes les prises, on arrêtait, puis là, je regardais la vidéo. Puis... OK. Mais c'est fun, c'est un beau moment. T'sais. Wow! Vraiment, en avez-vous d'autres? En avez-vous fait d'autres? Prévois-tu en faire d'autres? Beaucoup de monde voulait que je fasse une suite. Oui, parce que ça avait bien marché quand même. Mais là, elle avait dans ce temps-là, je te dirais, elle avait de mémoire 9 ou 10 ans. OK. Là, elle est rendue à 18. Peut-être. Peut-être une vidéo adulte. Oui, c'est ça, exactement. Plus grande. Ouais. Il faut préciser que, parce que, tu sais, on est là, on jase, mais c'est Zapatou. Si les gens qui veulent te suivre, c'est sur YouTube Zapatou. C'est là-dessus qu'on te suit? Oui. S'ils veulent, donc, c'est de là que toutes tes réalisations se font. Et j'en ai partout. J'en ai sur Vimeo, j'en ai sur Facebook qui est aussi, bien, soit sur mon nom, sur Zapatou, mais sur mon nom, sur Facebook, j'en ai aussi. J'en ai partout, dans le fond. À un moment donné, j'avais tout centralisé, j'avais toutes mes vidéos. Mm-hmm. Puis, j'ai comme pas mis à jour mon site. Mais j'en ai tellement de toutes sortes que je sais plus. Mais je veux vraiment commencer à faire des vidéos plus filmées moi-même. Puis, faudrait que je commence ça, là. Oui. C'est ça qui me passionne vraiment plus. En partant d'ici. Sauf que d'une autre chose, c'est le fun. Les autres, c'est des vidéos. Je suis content que les vidéos marchent, mais c'est comme. Oui, c'est mes montages, mais c'est pas ce que j'ai filmé. Mm-hmm. J'aimerais ça que ce soit ce que j'ai filmé. Oui. Mais en même Sauf temps, que je ne connais pas remarque... de comédien. Il faudrait peut-être que tu sois ma comédienne. Ah oui, je suis super bonne en acting. Ben oui. Cinq acteurs, il faut toucher, être vrai, être normal. Oui, ça, c'est vrai. Je suis vrai. C'est bon, le cas c'est de ça. Le dire. Ce que vous voyez là, c'est moi. Mais tu dois être un peu déçu de voir aujourd'hui que certaines choses marchent facilement. Qu'on peut tomber dans la facilité et avoir des millions de visionnements quand même, les sans nécessairement eu à avoir. Voilà. Oui, exactement. Et je pense, entre autres, ma fille est sur TikTok et consomme du TikTok. Et il y a les fameuses famous sur TikTok qui réussissent et gagnent très, très, très bien leur vie. Mais j'ai beau écouter les vidéos et sans porter de jugement, malheureusement, parfois, la simplicité peut faire le travail. Oui. Ça ne prend pas nécessairement un talent ou une idée originale. Bien, sur il y a peut-être TikTok, aussi d'être là au bon moment. Pour faire de l'argent, c'est que c'est une personnalité aussi. C'est la personne. Tu fais de l'argent à cause que tu es une personne publique et connue. Mm-hmm. Mais si tu ne l'es pas au début, mettons sur TikTok, puis tu fais des vidéos, puis tu deviens connu, c'est là que tu vas faire de l'argent parce que le monde, toutes les marques vont s'associer à toi parce que tu es connu. Mm-hmm. C'est comme ça que ça fonctionne au fond. Ce n'est pas parce que tu as fait une vidéo qui était bonne que tu vas... C'est ça qui c'est un domaine assez difficile. Mais moi, j'aime vraiment ce qui est original. Puis sur TikTok, par exemple, c'est genre des 15 secondes, 20, 30 secondes. Tu peux faire jusqu'à même aujourd'hui 3 minutes. Là. Mm-hmm. 3 minutes, oui. Mais honnêtement, TikTok, moi, j'aime ça. Même moi, j'en consomme souvent le soir avant de me coucher. Mm-hmm. Sauf que j'aime toujours mieux de ce sens-là. Tu sais, qu'une belle vidéo 16:9, que tu vois un paysage, que tu peux t'identifier comme ça. Mais tout le monde consomme comme ça. Fait que c'est dur de se démarquer. Même aujourd'hui sur YouTube, parce que tu as tellement de monde qui filme des vidéos comme ça. Mais il y en a des originaux sur TikTok. Il y a des gens qui sont des magiciens. Il y en a plein que je pourrais t'énumérer, mais qui font des vidéos incroyables. Mais il y en a aussi que c'est moins bon, mais c'est souvent eux qui percent. Pas parce que c'est pas bon, mais parce qu'ils sont connus. Ils arrivent, mettons, de OD. Puis là, ils sont déjà connus. Fait que même s'ils vont faire un sketch qui n'est pas bon, bien, ça va marcher quand même. Mm-hmm. Mais il y en a qui ont du talent aussi. C'est sûr qu'il y en a qui ont du talent. Là. Oui, c'est oui, pas tout oui. Monde qui... Il y en a. C'est juste qu'aujourd'hui, on ne sait jamais. J'ai l'impression... de ça, qu'on ne sait jamais ce qui va marcher ou pas marcher. Parce que tu peux mettre des heures de travail, trouver une idée originale, ça peut peut-être passer dans le beurre, mais si tu débarques avec n'importe quoi, quelque chose de simple, bien, ça peut marcher aussi. Ouais. Donc, il y a peut-être une question de timing, permettez-moi l'anglicisme, à ce niveau-là. Parce que les gens, beaucoup, ils veulent être... Le but, c'est comme sur TikTok, « Ah,
Souvent, le monde revient, ah, j'ai tant d'abonnés, j'ai tant de vues, j'ai... Mais c'est pas ça le but. Moi, là, en tout cas, moi, personnellement, c'est d'avoir du plaisir. C'est comme quand je fais du montage, c'est sûr que je suis un peu déçu si ça ne fonctionne pas autant. Oui. Comme là, j'ai fait une vidéo dernièrement sur les Avengers. Ça... Honnêtement, je m'attendais à 10 millions de vues. Mais j'en ai eu 3 000 vues. Mais c'est pas grave. J'ai eu du fun, je l'ai fait, puis j'ai appris. Mais souvent, les jeunes sur TikTok vont faire des vidéos pour être connus, puis quand ça ne marche pas, ils lâchent. Mais tu sais, si tu as du fun, c'est pas grave. Là, si tu n'as pas 15 millions de vues, on s'en fout. Là. Si tu as du fun à faire ce que tu fais dans la vie, moi, c'est ça ma philosophie. Au niveau de tes perspectives d'avenir, donc oui, tu nous as annoncé que tu voulais faire tes propres vidéos et ne plus t'inspirer des autres. C'est quoi ton idéal? Qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter pour les prochaines années, les prochains mois ou quand tu vas partir d'ici? Président des États-Unis? Ah oui. Non. À venir, c'est de faire mes propres vidéos, je pense. C'est vraiment ça. Je pense souvent, mais c'est aussi le temps de... L'inspiration de le faire aussi, c'est de trouver... Honnêtement, j'ai comme chez nous, j'ai une base, j'ai un bloc-notes avec, je te dirais, là, au moins 150 idées de projets, mais qui ne sont pas réalisés encore. Mais mon problème dans ma vie à moi, c'est que peut-être que tu me connais dans le temps que je travaillais ici, c'est que je prends plein d'idées, mais je ne suis pas capable de me concentrer sur une puis faire « OK, celle-là, je l'ai fait jusqu'au bout. » Je vais faire une affaire, je vais commencer 5-10 minutes ou une heure ou une semaine sur quelque chose. Mais peut-être celle-là, c'est encore mieux. Fais celle-là. Parce qu'on dirait que je ne suis jamais satisfait de ce que je fais, fait qu'il faudrait... Fait que dans le fond, ce que je pourrais me souhaiter, c'est de prendre une idée puis de la faire de A à Z, puis de croire à mon idée puis de réaliser ça. T'sais. Bien, Luc, je te le souhaite. Bien, merci. Vraiment, d'avoir accepté l'invitation parce que je le sais, combien c'est difficile pour toi. Mais tu vois, ça a bien été. On a fait ça comme des grands, exactement. Tu es rendu mature. Oui, il était temps. Donc, on invite les gens à aller te suivre sur ta page YouTube parce qu'il y a plein de belles choses que vous pouvez trouver. Merci de l'invitation. Il y avait tellement d'affaires qu'on pouvait dire là, que je ne sais plus, c'est que je me suis perdue dans tes... Ouais, j'ai trop parlé finalement, tu ne voulais pas que je parle?